Bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, tranquille. Donc là, premièrement, je tiens à présenter mes excuses, mes plus plates excuses à Cristiano Ronaldo qui vient encore une fois de faire fermer ma bouche sale qui raconte souvent des âneries. Mais là, là, regardez, 12 ans plus tard, le destin vient de parler. Le mec, hein, il y a 12 ans, vous vous souvenez de toutes les dingueries qu'il nous faisait à Manchester United, tout ce qu'il faisait là à Ashley Cole, hein, tout ce qu'il faisait à la défense anglaise. Là, il est de retour 12 ans plus tard et il recommence. Il nous claque un doublé le premier match de son retour. Et moi, je suis là, je dis, il est finito? Mais je suis malade. Il faut m'enfermer. Il faut me mettre en hôpital psychiatrique. Mais qu'est-ce qui m'arrive là? Je n'y connais plus rien en foot ou quoi? Cristiano Ronaldo, j'ai osé dire qu'il était finito juste parce qu'il n'avait pas gagné la Ligue des Champions. Mais vous vous rendez compte de comment j'étais malade, aveuglé? Mais là, là, cette saison, elle va être magnifique. Vous avez vu le match qu'il nous a tapé là? Hein? On dirait qu'il avait 19 ans, à nouveau 19 ans. Des passements de jambes, des appels. Oh là là, il était actif. Oh, mais c'était magnifique. Cristiano Ronaldo, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Là, là, moi, tout ce que je sais, c'est que ça doit un petit peu titiller Lionel Messi quand même, hein? Ouais, c'est vrai que là, Lionel Messi, il ne peut pas jouer. Là, actuellement, on est en train de fracasser Clermont. 2-0, parce que voilà, eux, ils faisaient les malins. Ouais, on est Clermont-Ferrand, on vient de la Ligue 2, qu'est-ce qu'il y a? On arrive en Ligue 1, on fait match nul contre Lyon, on frappe un petit peu tout le monde, on va voir ce qui va se passer contre Paris. Là, pour l'instant, il y a 2-0, mais bon, le match, il n'est pas terminé, il joue assez bien. Diallo, il est un petit peu en difficulté, mais là, là, ce n'est pas le sujet. Là, là, c'est que Cristiano Ronaldo. Vous vous rendez compte comment le destin, il est incroyable, hein? Tu vas dans une équipe, tu pètes, hein? Tu deviens le meilleur joueur du monde, premier ballon d'or et tout, nanana. Tu vas au Real Madrid, tu casses tout, ballon d'or sur ballon d'or. Bon, après, tu vas à la Juve. Tu casses tout dans les statistiques, mais t'as pas la Ligue des Champions. Tu gagnes tout avec la Juventus, sauf la Ligue des Champions. Et là, tu reviens dans le club où t'as tout pété et le premier match qui arrive, tu mets un doublé. Non, mais toi, t'es habité. Qu'est-ce que tu manges? Hein? Non, mais toi, tu fais pas que du sport, hein? Il faut que tu nous parles de tes trucs mystiques. Cristiano Ronaldo, il doit faire des trucs mystiques, des trucs de malade, des trucs du genre, hein? Toi, tu penses quoi? Qu'est-ce que tu penses? Ah, tu connais, on pense à rien. Voilà, on pense à rien. C'est tout ce qu'il a à dire, lui. Le cousin, ouais, tu connais, c'est comme ça. Mais bon, tout ce que je sais, c'est que là, c'est magnifique cette saison, ce qui est en train de se passer. Manchester United qui vient de fracasser Newcastle 4-1. Mais bon, on s'attendait à un petit triplé parce que le seul triplé que Cristiano Ronaldo a mis avec Manchester United, c'était contre Newcastle. Donc là, il nous a mis un doublé. Mais là, les triplés, les quadruplés, j'ai l'impression que ça va y aller là avec Manchester United. Pogba, il est dans une forme diabolique. Franchement, une forme mystique. Bruno Fernandez, là, ça y est, il est avec son grand frère Cristiano Ronaldo. C'est terminé. Martial, il est en mode crâne rasé, Ronaldo R9. Je comprends plus rien. Rashford, il n'est pas encore de retour. Ah non, non, mais là, c'est dangereux, Manchester United, hein. Faites attention, hein. Mais moi, je veux voir une finale quand même, Manchester United, Paris Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire? Une finale de Ligue des Champions. Mais bon, il faudrait que le Paris Saint-Germain y arrive. Voilà, je ne sais pas si on va y arriver cette année. Je le souhaite de tout cœur. Mais en tout cas, ce serait quelque chose d'historique d'avoir Cristiano Ronaldo et Messi en finale de Ligue des Champions. On ne les a jamais vus. Là, ce serait pas mal, hein, tu vois. On les voit tout le temps, on les voyait tout le temps dans les Real Barça. Là, un petit PSG Manchester United. En plus, Manchester, ils nous ont quand même fait du sale un petit peu au Paris Saint-Germain. Donc, ouais, je pense que ce serait de bonne guerre d'avoir une petite finale comme ça. Mais bon, il y a d'autres équipes qui sont très très costauds là cette année. Hein. Là, c'est n'importe quoi. Hein. Là, les marchés de transfert, là, on est en train de voir. Oh là là, je viens de voir une virgule de Ronaldinho. Bon, allez, bisous.